Orochi Sound Shad, le duo qui rafle tout, du moins ce qui a raflé tout l'année passée, hein, grâce à sa collaboration So Bless en featuring avec avec Seth Lowe. L'année passée, hein, ils ont tout raflé, ils ont atteint le million de vues, ils ont tout raflé en termes de stats, grosso modo. Donc là, Shad revient avec un tout autre projet, Lache, Lache, tout juste après Miak Bonviré, sa collaboration avec Ghetto V. Donc il faut dire que en termes de stats, ça avance pas trop depuis le début de l'année, hein. Il faut dire que depuis le début de l'année, Shad, il a sorti Intro 2022 qui n'a pas vraiment eu voilà les stats records qu'on attendait. Il a ensuite sorti Miak Bonviré pour donner un coup de fraîcheur donc à son projet Intro 2022. Donc c'est pour ça qu'il a fait appel à Ghetto V sur cette collaboration là. Et là maintenant il nous sort Elache qui, moi pour moi, je viens de regarder le projet, je l'ai maté plus de 10 fois, c'est pour moi le meilleur clip de l'année. On sent qu'il y a eu vraiment de l'investissement de Hochi Sound derrière la boîte de prod de Shad derrière, qui a vraiment mis de l'argent sur ce projet, surtout dans le clip. Côté costume, côté chorégraphie, c'est incroyable, c'est incroyable. Ils ont vraiment mis de l'énergie, de la force dedans. Mais il faut dire que il y a un point très essentiel qui peut-être bloque les projets de Shad, les stats des projets de Shad depuis le début de cette année. C'est cette étiquette de traître qu'on lui a mis dessus, au fait qu'une partie des internautes l'ont mis dessus. Pourquoi? Parce que arrivé un moment, vu que après So Bless, la relation entre Shad et Seth Lowe arrivait un moment, c'était plus pareil, la même. Voilà, c'était un peu bizarre. Donc du coup, voilà, une partie des internautes ont commencé par traiter Shad de traître. Voilà. Donc du coup, c'est un point qui bloque énormément ce projet, selon moi, hein, à mon avis, parce que une fois qu'il a cette étiquette, les internautes vont se dire ouais, le pousser encore, c'est un traître au final, pourquoi aller écouter ces projets et tout. Je pense que c'est dans cette optique qu'il a voulu clarifier les choses en allant dans l'émission de DJ Mac pour donner sa version des faits. Jusque là on n'a pas la version de Seth Lowe, mais c'était très important pour lui d'aller s'expliquer. Je pense que c'est une très très bonne communication avant la sortie de Elache. Donc voilà, donc là il faut aller donner de la force à Shad, hein. C'est un très beau projet musicalement parlant. Côté son, il est toujours resté fidèle à sa rythmique, le afro APC, et que dire encore, hein. Voilà, le clip c'est ouf, c'est génial. Moi c'est le clip qui m'a marqué, sinon on sent voilà l'étiquetage de So Bless au fait dans ce projet là, hein. C'est le même style que So Bless, mais sauf qu'il est seul cette fois. Donc afro APC, voilà, la rythmique de Shad, voilà. Donc voilà, allez mater le projet, allez lui donner de la force, hein. allez lui donner de la force, allons tous lui donner de la force en streamant. Donc Elache, moi je l'écoute, ça entre dans la playlist Amévia. Donc voilà, faites-le entrer dans votre playlist. Donc voilà, je trouve pour aujourd'hui l'actu express du jour. D'ici là, je vous retrouve à la prochaine vidéo, hein. Cheers.